Voilà les derniers coups de balai d'une tempête que personne ici n'est prêt d'oublier. Ça fait 4 jours qu'on est dessus. 4 jours à... avec tous les saisonniers qu'on a avec nous, une quinzaine de saisonniers avec nous. Quoi. Donc ça représente à peu près 4 jours de travail entre l'abattage et puis l'élagage des branches nécessaires. Combien d'arbres ? Là, actuellement, dans le parc, on en a eu 3 ou 4. Après, sur les pourtours, tout l'extérieur, on a quand même, une bonne quinzaine. Ouais. Une chaîne de solidarité depuis les élagueurs jusqu'aux saisonniers. C'est quand même assez physique. Hein. Chaque année, les box, l'entretien de la piste, l'entretien du parc. Et là, bon, avec les intempéries, c'est un peu plus dur que d'habitude, mais on s'entraide et ça va. À 11h ce matin, l'hippodrome avait bien meilleure mine. La sécurité des drivers et du public était enfin assurée. Là, ça va mieux. On finit la journée, là, et là, c'est la dernière remorque qu'on fait. Et puis donc, on va se préparer pour les courses ce soir, hein, pour que ce soit tout en ordre, tout impeccable partout. Et la vie reprend ses droits. Et la vie reprend ses droits, et voilà. Ce soir, les 6 courses annulées, 3 jours plus tôt, seront au programme. La saison du galop pourra donc se poursuivre.